On s'apprête à ouvrir la boîte du carton de tapis de Clarence Gagnon, qui vient juste de revenir du Centre de conservation du Québec en restauration. Carton qui avait été découvert par François Tremblay, ici présent, chez Yvonne Bolduc, il y a une bonne trentaine d'années, qui était en très mauvais état, mais comme c'est une œuvre de Clarence Gagnon, on trouvait essentiel de le faire restaurer par le CCQ, et il nous revient. On le voit pour la première fois depuis. Donc, c'est un carton de tapis, donc un dessin gouache réalisé par Clarence Gagnon pour que des artisanes puissent en faire des tapis crochetés. Quelqu'un vous parle? Rosia, la belle-sœur de Yvonne Bolduc. Donc, ça date des années 1910, 1920, maximum? Probablement, il ne faudrait pas voir. Elle est couleur, hein? C'est humain. Imaginez quand c'est ça, quand j'ai trouvé ça, c'était roulé en dessous du divan. Puis là, elle m'amène ça, puis là, je vois le rouleau de carton, il était évidemment sur le dos. Puis il y avait des fils d'araignée dans ça. Puis là, elle dit, oui, j'ai un carton que Rosia, que j'ai gardé de Rosia. Fait qu'on ouvre le carton, puis là, ça arrive tout en couleur comme ça. C'était magnifique. Là, le CCQ lui a donné une nouvelle jeunesse. Évidemment, la couleur tombait en flocons. Oui. Wow!